Sandra. Merci. On est parti. Ah, j'ai oublié d'éditer le titre. Title en figure. Voilà. Bonsoir à tous. Salut les petits amis. C'est l'heure du stream et ce soir on joue à Tales of Zestiria pendant une bonne heure. Une heure. Ça va durer une heure. Je pense pas que ça va durer vraiment plus. Donc on avait refait un petit stream hier soir pour au moins débloquer un peu la situation. Hein. On fait ce qu'on doit faire. On doit aller faire les différents temples pour récupérer les différentes gemmes d'Iris. Donc, nous partons, on va tout de suite se donner de l'aventure, du contenu, du plaisir de jeu, de l'aventure, quelle aventure! Alors en gros, il faut aller partout. Partout où on peut aller, on y va. Donc, go quoi! Donc vous remarquerez que j'ai laissé les tenues alternatives, les tenues DLC de précommande. Okay. J'espère que vous allez bien. Moi, la journée s'est bien passée. J'ai rencontré quelques difficultés au travail, mais des trucs qui me... Comment dire, qui ne sont pas... de ma faute, hein. Voilà. Mais ça a été motif à une petite colère de ma part. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Alors, il faut un peu quoi. Voilà, on règle ça. Vite fait. Salut Valoxiator, streamer ce soir, en fait je ne sais pas encore, ça va dépendre de l'humeur de madame. Quoi qu'il arrive, avant je suis bloqué par le meilleur pâtissier, mais peut-être qu'après je serai là pour jouer. Donc il est possible que je stream ce soir, mais c'est pas sûr. Il ne faudra pas m'en vouloir si je suis pas connecté après. J'espère que tu vas bien, Rémi ce soir. Peut-être qu'il m'a juste accès au chat, donc je vais vous répondre. Eh oui, j'ai des contraintes familiales, hein. Vous savez, il faut savoir faire plaisir à madame. Et j'ai récupéré un chapeau de quartz. Qui au final me fait monter pas mal dans différents domaines et qui me fait un peu baisser l'armure, donc on va lui mettre le chapeau de quartz. C'est une chose. Donc on m'a dit qu'il y avait un énorme éléphant.
un endroit qui te cassait les couilles, donc il y aura encore un boss optionnel à trouver. On va sauvegarder ici. Ok, tu passes vite fait, ce n'est pas grave, de toute façon l'heure du stream, c'est un petit stream vite fait, ça dure qu'une heure, donc il n'y a pas de problème. Ouais, donc, ouais, cette fois on verra après le meilleur pâtissier, si on fait pas trop chier, c'est possible. C'est fort possible. Honnêtement, je pense que je vais le faire. Et on va continuer Tales of Vestiria un bon coup ce soir. Destiny, je pense que ça va attendre ce week-end pour Destiny. Attendre que je vois avec mon clan pour prévoir du raid et potentiellement faire de l'Osiris. Hein, y a des choses que je suis intéressé, qui m'intéressent. J'ai voulu faire de l'Osiris la semaine dernière. Et en fait, personne. Y a des groupes qui se sont formés. On n'a jamais réussi à se croiser au bon moment. Donc, on va essayer de faire ça plus tard. A plus, l'ami. Situation dangereuse. Vous êtes seul à quoi? Vous êtes seul à nous? De topaz, c'est-à-dire que ça peut être intéressant, je ne sais pas, on va aller voir ça. Du coffre doré, hein. J'ai plus tardé à l'avoir, hein, cette clé, hein, mais on a encore un peu le temps. Équipement en soirée, c'est pas pour toi l'épée de topaz? Non, bien sûr que non, mais par contre, tu as la boucle d'oreille de topaz qui te fait énormément augmenter. Beaucoup baissé, mais oh. Attaque d'Arte, c'est intéressant, hein, ça booste bien, donc je pense que c'est quand même préférable. Et toi, tu as récupéré la dague de Topaz, qui est un énorme gain. Ouais, il faut l'aiguille aiguisée, hein, tu remplaces directement par ça, c'est évident. Ouais, là, on a récupéré du bon matos, dis donc, il y a de bons trucs à looter dans cette cave. Hop. Où es-tu sensible? À la terre. Oui.
たの決心だ。Et voilà le travail. Comment ça va le travail? Je t'avoue, pour moi, un peu de me battre contre toi. Voilà. Allez, avançons. Alors, ici, comment ça se passe? Alors, hop, rien. La possibilité de passer, à mon avis, c'est un raccourci pour sortir. Je pèterai le caillou qui est de l'autre côté en passant. D'ailleurs, j'ai pas pété le caillou. De ce côté, dans le premier passage. Voilà, c'est réglé. Allez, petit coup de ravito. Tu m'entends, je n'ai pas bu un bon petit café chez moi. À la vôtre. Donc là, on va tout de suite aller à droite pour explorer. Je pense qu'il faudra que j'édite les vidéos YouTube au fur et à mesure pour mettre les choses qui ont été faites durant le... Les choses qui ont été faites durant le stream. Excusez-moi, j'entendais un bruit dehors et ça m'a attiré l'oreille et l'esprit. L'oreille toujours ajoute à l'esprit. Toujours en liaison avec l'esprit. Excusez-moi, j'ai une bafouille. Voilà, circulation dangereuse. Tac. La terre. Donc les chiens, on va tout de suite commencer par calmer dehors. Hein. Tara. Le coup de poing qui ravage tout. Et toujours que dalle. Ah. Botte de quartz. Jackie Quartz. Il est là. C'est
On va tout de suite voir ces bottes en quartz. Les bottes de quartz sont formidables. Elles m'assurent un équilibre idéal. Les bottes en quartz, c'est trop sympa. Les bottes en quartz, les bottes en quartz, les bottes en quartz, c'est les bottes en quartz. Les bottes en quartz, c'est vraiment des bottes en quartz. Nous, on met des bottes en quartz, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. On se calme, Sherman. Ouais. Voilà. C'est elle qui va porter les bottes de Jackie Quartz. Et merde. J'ai une chanson dans la tête. Et pour m'en passer, pour réussir à l'oublier, il faut que je chante quelque chose de stupide avec cette musique. J'ai les rois du monde en tête, bordel. Les rois du monde, les rois du monde. Les rois du monde, les rois du monde. Les rois du monde, les rois du monde, les rois du monde, les rois du monde. Regarde. なんだキノコのことなんだ知らないの知らないのね目立ちたがりだからだ3点ね1000点満点で引く間違っちゃいないだろう引っ込み思案なら光ったりしないってくだらない言い訳でマイナス20点うわぁ0点以下にただの目立ちたがりじゃないよねそう思いますが私もAlors, camomille rouge à ma disposition. Hop, hop, c'est bon. Oui, il n'y a pas de monde.Il n'y a plus de monstres. Ouh, cette chanson dans la tête. Laisse-moi tranquille, moineau. Hoppa. Voilà. Il nous a foutu la paix. Et ici, voilà le truc qui pourra nous ramener au tout début quand on devra fuir.
situation dangereuse. J'ai pas forcément envie de me la taper. Vas-y, avance. Voilà. Où arrivons-nous? Oh. C'est long, bordel. Lâche-moi, saloperie de fouine. Bon, au moins, il y a du stuff hein, ici, il y a des trucs intéressants à récupérer, donc on va pas trop se plaindre. Mais il va falloir qu'on récupère bientôt cette clé en or. Hein. Il va être temps. Car on sait que le temps, c'est comme le vent. Oh, putain de merde! Et il faut savourer tous ces instants de jeu. T'es chier. Oh. C'est bon, c'est comme ça, on avance comme ça, c'est bien. Vas-y, Jackie. Ombrelle de quartz. On l'a déjà. Mais, je vais me permettre. Pour faire de la fusion. Situation dangereuse. Allez, vas-y, ok, faites-moi tout ça en plus, parce que c'est vraiment pissé de vie dans le lien. Il va continuer. Putain, hey, ils sont quand même relous ces fous. Hein. Mais putain! Okay.
Non, j'y vais pas à la bourrin. Non, je ne joue pas comme un bourrin. J'essaye de jouer le plus proprement possible en prenant bien en compte les avantages, les qualités et les défauts de mes adversaires. Pour le moment, c'est vrai que mes personnages n'ont absolument aucune stratégie. Mais, j'ai le droit. Et là, donc, il va y avoir deux chemins. Donc là, si je vais en bas, il y a un glitch qui est efficacité contre les morts vivants. Je claque la quête à une bague de topaz. Voilà, hop, la sauge rouge. Et ben, dis donc. Voilà. 19h18 et nous arrivons au boss. Oh la mythe. Une mythe géante. Oh, on s'est fait péter la gueule. Oui, on s'est fait péter la gueule violemment. Ah, c'est ta toupie. Le grand maître des tapis. Pour moi, c'est une mythe. Une mythe de 20 cm. Je rigole tout seul, c'est une blague. Mais on combat, on combat. Allez, on lâche rien. Et
強犯スピリッツインバー見つけたい風の方開ける作業し悪魔を映しろ勇者の風を映しろ勇者の風を映しろ勇者の風を映しろでは、votre vie。Voilà, il y a 17, hein, et il y a un trophée en faisant 50 points. Hein? 50 points. Vous vous rendez compte? Donc là, on a buté, hein, la mythe. On avance, et il doit y avoir quelque chose là derrière. Là, on peut pas me dire, Yves-Marie, t'as fait ça, c'était bien. Mais il me faut une récompense. Il faut quelque chose à la hauteur de ce combat et qui m'a quand même forcé à réessayer. Donc, il doit y avoir quelque chose là-bas, tout au fond, caché. Ah, c'est juste. Le chemin vers la sortie, c'est ça. Et je n'ai rien eu d'autre. Il n'y avait pas une sphère qui traînait. On se fout de ma gueule, Royal. Il n'y a pas de sphère qui traînait là. Pas de sphère qui traînait là. Et j'ai buté la mythe, mais ça on le sait pas. Il y avait pourtant beaucoup d'espoir à ce qu'on puisse sortir de ce traquenard. Non, non. Y'a rien du tout. Bon bah tant pis hein, on a fait ça, c'était sympa, hein. On a fait une découverte, c'est bien poilé à faire 4 zones comme ça, hein, mon petit gars. Allez, ah non 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 non, non merci, point trop d'infos, je me casse. Non non, n'insiste pas. Eh putain de merde, tu le fais trop tôt, allez. Ah là, je suis bien. En plus, on y vole que là, hein. Voilà. Essaye surtout pas de me baiser sur la sortie. Ah non, très peu pour moi les situations dangereuses. Je m'échappe. Ils vont me rattraper. Ils vont me rattraper. Comme ça, ce serait parfait. Excusez-moi, j'ai fait une petite modif. Donc, maintenant, on va aller tout en bas et on va essayer de croiser cette saloperie d'éléphant. On ira au cimetière des éléphants. C'est sur cette chanson que mes parents ont meulé. Se sont emballés la première fois. Le cimetière des éléphants des Mitchell. Ça, c'est la classe, hein.
Je sais pas, maintenant, on pourrait plus dire ça. Limite, on dirait, ouais, moi, c'est... Ah, la première fois que je l'ai envoyé, c'était sur Adopt un mec. Ah, ou sur Mythic. Je l'ai emballé sur Mythic. Allez, vas-y, c'est quoi ta fille? Dis-moi ce que c'est, dis-moi ce que c'est ta fille, mec. Prenons le temps d'observer, mais c'est un lieu à piège, hein. C'est vraiment un lieu où tu vas suivre des chemins. On va subir en silence. Bien sûr, non. Non, nous ne pouvons pas sauter. Oh, le cactus avec toi. トゲの印象しかなかったし、美しい花にはトゲがあるっていうじゃない？それってバラメソンの話よね。バラメソン？トゲがあるのはバラクラゲ。美しい花を代表してことわざにするなんて。一言で言えば傲慢。きっとバラ派の陰謀よ。なあ、donc on a appris le mot floraciste. サボテン目線。Il s'agit de d'avoir des plantes. Ouais, ces cactus en fleurs sont comme les roses en fait. Ça a des belles fleurs rouges, ça a des picots, mais il n'y a que des proverbes sur les roses. Il n'y a pas de proverbe sur les cactus à fleurs. Donc c'est floraciste de ne pas faire d'allusion au bouquet de fleurs, au cactus en fleurs, alors que les roses, on n'en a pas. Se prendre la tête avec pas grand chose, hein. C'est tellement intéressant, enrichissant, valorisant. Je pense pas que ce soit toi, hein, le vrai problème, hein. C'est pas des bavards que je cherche, moi, hein. C'est pas des... Il faudra que j'aille vérifier un truc après. Oui, non, mais juste. Alors, on va aller voir tout de suite. Ah, ça, c'est ici. Action de combat. Châtiment. Pour 20. Rage mortel. Bon,
tout ça pour toi. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moitié-moitié, on s'en branle. Voilà, voilà. Grosse zone désertique, hein. Et donc j'ai réfléchi aujourd'hui à d'autres jeux qui pouvaient proposer des zones désertiques. Je cherchais un jeu justement qui ne propose pas de zone désertique. Donc bon, un RPG sans désert. En fait, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Vous pouvez même partir dans les action RPG si on considère que Zelda est un action RPG. Tout le monde passe par le désert. Alors que bon, même dans les trucs dans l'espace, hein, vous prenez un Mass Effect, il y a du désert. C'est vraiment des moments dans le jeu où on se dit on va peut-être faire avancer le scénario, mais si on bosse sur le scénario, on s'en branle un peu des décors, donc on va te foutre du désert. C'est un peu ça le principe. Donc là... Oh, le v'là. Oh, Oasis. Il est bien normal qu'un séraphin du vent se prenne un vent. Bim! C'était pas mal, on a bien rigolé. Alors, à quoi es-tu faible? Tu n'as pas de faiblesse à part le vent. Non, c'est pas vraiment une faiblesse. Ok, bon. Déjà... La zone est très étroite pour se déplacer. Je touche d'assez loin. やっつける。一刀早発。中断。剣の特徴。切り裂く。龍の回復。
千の独唱サポートお願い。やっきる一瞬千の独唱モビュール攻撃拒絶の一戦見えぬ原因翼よ切り刻む焼き尽くす焼き切る一瞬一度お下がりください。焼き切る拒絶の一戦エンドのフィニッシュは無理しないで。ça a été super utile que Voilà. La vache. 38. Et merde, elle a peut-être essayé de m'appeler. On va pouvoir streamer ce soir même. Oh, bon, on a quelqu'un pour venir. お化け像になって幼少人を襲っちゃったんだよ。なんということじゃ。それでローグリンが怒っちゃった。私たちそれを何とかしたくて。ローグリン、同志信仰の民か。カゴ天族はおらんのか。今はそれでも信仰を守って苦しい生活に耐えてるんだ。兵馬がやったことだ。仕方ないさ。いや、昔のわしは簡単に汚れる人間たちをバカにしとった。もうラオンだよ。俺にはコンバエルメルコメン。自身が氷魔になって信仰を貫いている人間を苦しめるとは恥ずかしい限りじゃ。もう過ぎたことでくよくよしない。大事なのはこれからどうするかでしょ。アラカンさんはかなりの力をお持ちとお見受けします。ローグリンの加護をお願いできないでしょうか。器は俺たちが探すから。純粋な人間たちが住み続けた場所なら、ローグリンの塔自体を器にできるじゃろうって。じゃあ、むしろわしから頼みたい。せめてもの罪滅ぼしじゃ。ありがとう。よろしくね。きっと祀られがいあるから。
出ないとローグリンに伝えましょう。これで楽になるよな、ローグリンの生活。Alors, d'abord, on va aller faire il y a un village détruit. Ok, il doit y avoir de la quête encore à faire. Et là-bas, il y a un sanctuaire d'épreuve. De toute façon, là, je pense que avec le vent, là, c'est avec le sanctuaire du vent. Donc, je pense que ça va être David. Ah. Seul serait il y a un séraphin qui peut y aller. Oh bah allez, on va avec là. Oh oui, Donc...
焼き切る。おゆる攻撃、おゆる熱伝、おゆる連絡、ハグは縁だ、焼き捨てせ。おゆる攻撃、焼き捨てせ。おゆる連絡、反省があるようです。焼き切る、焼き捨てせ。おゆる連絡、時間系のトリッキーな動きに注意です。ハグは縁だ、焼き捨てせ。おゆる攻撃、おゆる熱伝、おゆる連絡、焼き切る、おゆる熱伝、おゆる連絡、おゆる熱伝、広いバレル、ハグは縁だ、焼き捨てせ。上昇上魔は先に攻めさせてから反撃する。おゆる攻撃、おゆる攻撃、おゆる熱伝、おゆる攻撃、調子で行こう。
Bon, on a fait ça. C'est une très très bonne chose. そもそも強い氷魔を生むための場所だしな。ライダー、汚れのるつぼ、全部でいくつあるんだ。確認されただけで7つ。おそらくまだ未発見。Normalement, il en existe 10 de près. 全部孤独全開？わかりません。五宝天族ゴーフー様が封じているはずなのですが。ゴーフー、五大神ハヤヒノに直属する野郎。そいつはもうヘルダルフに倒されたと見るべきだ。ですね。やられただけならいい。だが汚れのるつぼに落とされてた。ドラゴンになったかもって話だが、エルの野郎。un peu baissé mais ça augmente énormément mon attaque, donc on s'en équipe de Rafflecar de Violetta. On sauvegarde, on va faire un petit tour dans les prés à côté. Là on a vu un chemin, donc on va parcourir le chemin, on va tenir la distance. On va découvrir ce que c'est là-bas et après on retournera. Il y a un point de sauvegarde en plus. On va juste voir, hein. De toute façon, ça sauvegarde juste de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est ici ? Un marais. Oui, bon, bah alors là, vraiment, on ira plus tard, hein, mais on sait qu'on peut aller là. Chouette, formidable, youpi, yipikae, sauf con. Alors, voyager. Ah, c'est bien, il me dit où je dois aller. On va d'abord aller là. Et après, on ira prendre à gauche, prendre à gauche. Oui, oui, tu peux attendre encore un petit peu, s'il te plaît. Hein, je suis occupé. Les prix ont un peu baissé. Egiyu, il y a quelque chose à faire ? Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Daichi no kiyoku, il y a quelque chose à faire ? Oui, mais...人は死骸で飼われちまった。スレイ以外に欲しがる人がいるんだ。買ったのは考古学を学んでいる司祭だそうだ。考古学？遺跡を調べてるのかな。詳しくは知らんが、何冊も本を書いてるとか。本を？すごいな。内容には興味あるね。またなの？脱線の流れなの？で、その学者さんは？何かの調査でプリズナーバック出現のリヒトワーグ回顧林に行ったらしい。また危ない場所に。調べたい気持ちはよくわかるが、心配だ。行ってみよう。Donc là, on nous dit que bah, finalement, tu pourras aller dans les prés à côté, dans le marais. Oui, et il y a un endroit où on n'est pas du tout allé. Et où ? やっぱり一度高値に落ち着いた相場はだが商人たちも冷たいとは思うが汚れえ加護を戻しても問題加護は人の心を難しいよ救いはローグリンの人たちに憎しみや諦めがないことですわどの道どうん国家 OK donc tac on va voyager et je demande à ce que tu m'emmènesAh, ici, il y a des trucs à faire dans le forest, fort twist. Il y a des trucs aussi. Ah. Voilà, petite dame. Petite pomme.
な人だろう、考古学者って。それスレイと似た趣味なんでしょ。きっと変人よ。多分。てか絶対。ひどい言われようだ。ちゃったな、ロゼの勘。まだだよ、予感続行中。分かった、油断するなよ。みんな、やっぱりメデューサか。このままは生徒は高速の勝負ですか。どっちにしろ敵対は強いな。敵対を防ぐ手段は限られています。マジで来る。ボールが飲んで、おとなしくボールを。おゆるこりゃんだ。ひっせせんぶめっせん。やるぎゃ魔をたけるやけてるへんどっちゃ。ひっせせんぶめっせん。フリーズラザー引き裂いてくれる。やけてるへんどっちゃ。ひっせせんぶめっせん。やけてるへんどっちゃ。引き裂いてくれる。想像でおゆるこりゃ。おゆるめっせん。あげるへんどっちゃ。おぼらせてよ。わきまえよ。全力で行くぞ。早く。やっぱりメデューサか。このままは天の高速の勝負ですわ。どっちにしろ敵化には強いなんぞ。敵化を防ぐ手段は限られています。防止できる装備がないの。おとなしくボールを。おゆるこれ、おゆる熱戦、おゆる連絡。みんな、行くよ。やっぱりメデューサか。このままは捨てんの高速の勝負ですわ。どっちにしろ敵対は強いなんて。敵化を防ぐ手段は限られています。防止できる装備がないの。おとなしくボール。ゲスメガおゆるこれ、おゆるめが、おゆるめが、クラッシュ。やっきりさい、おゆる熱戦、そうじゃね。おゆる熱戦、全部熱戦。引き裂いてくれ。おゆるこれ、おゆる熱戦、おゆる連絡。ゲスメガ、まだ下がんだ。やっきり、おゆる熱戦、おゆる連絡。わかった。ハルはエンダー、焼き付けて、ハルの連絡。血を取る。全身ボール。
するときこれさせもゆめつにエンブレスだ。とっと回せるもゆめつにあゆるれんのゆえたきつい余裕こりつ足を解くです水よ負けなさ手を浮かせ一点突破やきつけせんあゆるれんのもゆるこりつ目がもゆるこりつやきつけせんあゆるれんの一度お下がりくだ。引き裂いてくれるわ。至らずに。すみません。ゲスメガ負けない。ゲスメガ。あれだ。私はあなたを信じたのに、全てを捨てたなのに、なぜスレイ上官を、なぜあんな女に。しまった。迷ってんならやめときな。帰り討ちに会うのがオチだ。スレイ、済んだことは仕方ない。村を調べてみよう。ええ、無事な人がいるかもしれませんし。体力が少ない方、家族が多分ね。しかも次々と、ほぼ全員。偶然とは思えないね。殺されたってこと。
私に拾われるためにずっと待ってたのね。スレイ、通気橋のこと思い出してたっしょ。一瞬だけ。迷っちゃうならどっかの宿で待ってれば。私片付けとくし。何言ってんだ、ロゼだけじゃ浄化できないだろ。けどやれる。そんなの。スレイ、迷ってたらその隙につけ込まれちゃう。ザビーダも言ってるでしょ、敵を気遣ったせいで仲間が傷つくなんて絶対嫌。つまり俺は邪魔だっていうのか。そう。待ってくれロゼ、スレイは。ミクリオさん、ここはもう迷わないから。別に迷うなって言ってんじゃないけど、やるってんならしっかりやろ。ああ。なんだよ、気を使った僕がバカみたいじゃないか。そんなことはありませんわ。みたいじゃないってことよね。違うだろ。違いますよ。聖女と来たか、おっかねえ。怖い？なんで？お子様同士にはわかんねえか。さっぱり。思ったより兵馬っているもんね。気づかないってのはある種罪なのかもね。そうね、ムチムチは罪ね。でだ、戦いを勝ち抜くにはいい装備は欠かせないと思わない？真の達人は武器を選ばないとも言うけどね。達人でない私らとしては、仲良くなった店に特別に注文を出しておくのがいいかなって。店にとっては金の切れ目が縁の切れ目だけどね。そうそう、長い目でお買い得にするには店主を涙目にさせる値切り交渉よりお得意様になるのが大事。噛み合ってないのか。噛み合ってるのか。変わったものを売っているな。人形の中に人形が入っているなんて。そうか、北の方でよく見る民芸品だが。これはもしかして人と天族の関係を表しているんだろうか。おいおい、そこまでマジに考えんなって。だがわざわざ奇妙な仕掛けを作ったんだ。何か意味があるはずだろう。確かに。だとすると天族の中にさらに人がいる意味はなんだろうな。天族の中にある人格を示している。いや、天族を器と見せることで逆説的に人と天族の共存を暗示しているのか。ザビーダ、一番最後の人形には何が入っているんだ。ああ、確か梅干しの種が入ってる。梅干しの種、うん、もちろん象徴だろうが、種とは再生の印だろうか。そもそも前提となる梅の意味は。エドナちゃんがミクボをいじる気持ちでしょ。ある意味スレイよりピュアだものね。実に哲学的だ。深いな。
石を扱う宝石商か。ウエストロンホルドの酒谷に向かいましょう。一体何やってんだ騎士団は。もう10人も殺されてるのに手がかりもつかめないなんて。どうか落ち着いてくれ。我々も全力で捜査を進めている。捕まえなきゃ意味ないだろう。殺人鬼が野放しなんだぞ。皆の不安はわかるが信じてもらいたい。騎士の名誉にかけて必ず捕らえる。ふん、団長さんは別の名誉に目がくらんでるってもっぱらの噂だぜ。やけに熱心に政治に口を出してるってな。そういうことか。そりゃ庶民の命より権力の方が大事だろうさ。違う、そのようなことは断じて。皆さん、フォートン枢機卿の件も未だ捜査中。騎士団も人手が足りないのでしょう。騎士といえども人、その無力を責めてはいけません。お気遣いかたじけない、アミシスト司祭。人は弱い、それを認めなくてはいけません。己の本性に気づかぬ傲慢さこそ真の悪なのですから。人は無力です。だからこそ自分は全力を尽くそうと思います。さすがはセルゲイ団長、その心がけにこそ救いはもたらされるでしょう。すまないが、見ての通りだ。自分は捜査に向かわねばならない。連続殺人事件、これって兵馬の仕業じゃないのか。調べてみよう。夜行性の氷魔のようだな。夜を待って調べてみよう。なんか引っかかるな。何かって。なんかだよ、うまく言えないんだけど。気味が悪いですよね、何か出そうで。怖がらせてしまいましたか。うん、妙に気持ち悪くてさ。
スレイ、あそこ犯人は教会の中だ。例の殺人鬼か、なんで教会に。死んでるのか。死ではなく浄化ですよ、天族様。悪を浄化したのです。こいつ、僕の声が。何を今さら。夢の中で何度も道を示してくださったではありませんか。救世こそ私の使命だと。救いだというのか、こんな殺人が。この者たちが悪いのです。己の弱さを認めようとしない。それどころか一方的に国や騎士団、果ては教会まで非難する始末。なんと醜悪なものども。これが汚れでなくて何だというのです。本気で言ってるんだね。それこそ冗談ではない。この世は絶望的に汚れている。醜悪なるものを消さねばすぐに滅びてしまう。残酷なのは分かっています。だがやらねば。それが私の使命なのですから。ライラ、この人は。はい、ヒョウマではありません。アミシスト氏さん、連続殺人の容疑で逮捕する。私を人の方で縛るのですか。愚かですが、責めはしません。知っていますよ。あなたの弟はフォートン枢機卿を害そうとして返り討ちにされたとか。大方教会に最悪の席を押し付けようとした弱い人間だったのでしょう。あなたはそんな弟の罪を必死に償おうとしている。救われるべきけなげな心がけです。勝手なことを。いいのだスレイ、あながち間違っていない。そうでしょうとも。どうか悩みを話してください。あなたのような方を救うのが私の使命なのですから。スレイ、天族の方々、どうか見捨てないでほしい。大地の記憶は過去に起こった事実を記録するものですが。事実なのか。しかもただの事件じゃない。天教術でなきゃああはならない。兵馬か天族が人間に術をかけたって。おそらく目的は復讐ね。おっかない術だね。いや、怖いのはかけたやつだ。けど家族は関係ないだろう。生きる目的を奪うのが目的だったのかも。直接殺すよりもずっと残酷だし。いるのか、そこまでされなきゃいけない人が。